ok, whatever, ça a pas fonctionné pour 2 cents, qu'est-ce que je voulais faire? Ma calice, m'en va mêler, moi, là, là. Alright, fill me up, all me energies, all me auto tank, yeah, all me missiles, everything. Yes, save. Ok, now what the fuck do we do? Dernier épisode. Oh, Chris, on a découvert l'épée, on a enfin découvert l'épée, man, on back, là. Dernier épisode veut dire que c'était la dernière session passée. Fait que là, en ce moment, c'est une nouvelle session. Cependant. Ça fait genre une semaine que j'ai pas joué au jeu. Fait que même moi, on est quand même assez fresh de ce que j'ai fait. Puis oui, j'étais si impatient que ça de retourner à ce jeu-là. Parce que maintenant, ça va être calissement beaucoup plus le fun de jouer à ce jeu-là avec l'épée. Oh! Oh my god! Holy fucking! Oh! Mon épée suck la merde! I don't care! J'ai une épée, esti. Des trucs que ça prend genre un coup de marteau, ça va en prendre 3 coups d'épée. Ok. Now what the fuck do we do? Ah, ok. On va ouvrir la map. Parce que, qu'est-ce que j'ai ramassé dans l'épisode? Well, ok. C'est sûr que je peux aller au Hyrule Castle, aller battre Aghanim. Aller au Skullwood dans le Dark World parce que maintenant j'ai l'épée, fait que je peux aller me rendre au boss. J'ai bien des petites affaires que je peux faire. Tu sais quoi? Première chose qu'on va faire, on va aller battre Aghanim. Why not? J'ai enfin une épée pour me rendre à ce délasse-là, man. Fait que, vu que vous avez déjà vu, moi, monter la tour de Hyrule, puis que c'était fucking long, et puis qu'on a appris tout ensemble que finalement, il fallait que j'aille une crête d'épée pour me rendre vers lui. Well, je vais tout skipper ça, là, fait que, be right back. C'est vrai, maintenant, quand que je dash, je peux en fait dasher dans le cul des ennemis, au lieu de rentrer dans leur cul, justement, puis que ça me fasse du dommage. Non, maintenant, gars, soir de si je peux enfin dasher dans le cul des ennemis, puis ça me fait absolument rien. Et voilà. Bon ben, comme je vous dis, je réescalade pour une deuxième fois ce tour-là. Be right back, ça va être kinda long. Vous autres, maintenant, je peux enfin vous tuer. Tu sais quoi, même le marteau va prendre moins de coups que mon Chris de Fighter Sword de merde. Et voilà. J'ai enfin mon Chris d'épée qui m'a pris un temps. Ça a tellement été long avant d'avoir une épée. Maintenant, je peux faire chier tout le monde, faire chier mon boss à Aghanim. Il va se prendre l'épée dans son postérieur, bien enfoncé dans son cul. Oh, you heard me right, man. Holy shit. Ouais, c'est si intense que ça chez Historio Jutra Fan Club right now. mon album sort la semaine prochaine. Je suis bientôt rendu à Aghanim. Il me manque juste à faire ce floor là, pis j'y rentre mon épée dans son cul. Oh, oh, si profond dans son derrière qu'il va en souffrir le martyr. Holy fuck. Ok, toi tu fais chier là. Et voilà. On est rendu à la place, man. Bien le bonjour, Aghanim. J'ai juste 6 coeurs et demi, mais je pense pas en avoir besoin de plus que ça, man. T'es fucking facile, man. Alright. Dernière fois, je ne pouvais pas faire ça. Maintenant, well, avec le pouvoir du Bugnet, c'est ça que je voulais faire comme pour renvoyer ses balles. Well, ok, tu sais quoi, man? Je vais te faire fuck par le pouvoir du Bugnet. Ah, oh, shit, mauvais bouton. What the fuck, man? What the fuck, j'ai pesé le mauvais bouton. Alright, alright, refais ça, mon pit. Ben, ok, ok, il a pas fait sa bonne magie cette fois-ci. Oh my god, tu me fais chier. Et voilà! Ok! Yeah, ce boss-là, il se pisse easy as fuck! Et voilà! Puis we win! Puis il va faire des électricités, man! Et voilà! That's it! Il est mort, man! Aghanim pisse easy! Ben oui, en parlant de ce boss-là, je vais juste vous raconter une anecdote par rapport à ce boss-là. Son sprite! Disons que c'est pas ça que j'imaginais la première fois quand je l'ai vu. Regardez sa face, ok? Oh, moi je pensais là que le rond rouge sur sa tête, c'était genre sa bouche. Mais ça se trouve être genre d'un cristal sur sa couronne, I guess.
puis qu'il y avait genre des cheveux verts dégueulasses. Et je sais pas si vous avez déjà vu des images genre qu'est-ce que les créateurs interprétaient le genre de modèle, qu'est-ce que le modèle ressemble réellement dans le jeu, puis comment que j'interprétais son modèle. Je vais mettre justement ce mime là parce que ça va exprimer beaucoup plus justement comment que je voyais Aghanim la première fois que je l'ai vu. Je pensais que c'était un crise de petit nerd genre qui jouait à Dungeons and Dragons. Disons-le comme ça. Mais ouais, PCZ man, you fucking dead! Et puis normalement, ben c'est comme ça qu'on rentre dans le Dark World for good! Merci pour le fill-up! Yeah, Samus est comme, yeah, j'ai enfin une épée, man! By the way, man, j'ai enfin une épée. Ça veut-tu dire que je peux niaiser avec les tombstones? Maybe! Pis que, well... Premièrement, j'ai-tu besoin de la Master Sword pour faire les trucs genre boom boss pis ces affaires-là? Non, j'ai pas besoin de la Master Sword! Alright! Now I can do this! And why are you all fucking dead? Merci pour vos ressources. Alright, fait que Quake, Bomb Boss, en fait, ouais, pis il manque juste Eater, en fait. Ok, intéressant, maintenant je peux faire ça, fait que ça veut dire que je peux interagir avec les tombes. Avant, je fais tout ça de suite. Tu sais quoi, on va faire ça de suite, man. Je sais la location de quelques tombes. Fait que, pis en plus ces tombes-là me faisaient chier pendant un bon bout. Y en a un qui est proche du désert. Fait que, j'ai le livre. Tu sais quoi, m'en prendre un weapon en même temps d'avoir mon épée. Le marteau, please, parce que je peux pas passer par là, sinon. Alright. Là, il faut que j'aille dans le désert. Ou, proche du désert. Par là, par en bas. Après ça, on s'en va en bas à gauche. Je réapparais dans le Light World. Puis on s'en va fucked up une tombe. Et cette tombe-là, qui habituellement me donne les médaillons de Healer, Quake, puis Bomb Boss, va me donner quelque chose de good. Genre 20 piastres, des flèches, des bombes, man. Oh, oh, oh. Ok. Y a rien d'autre ici, right? C'est pas une place que t'explores vraiment souvent, là. Parce que cette zone-là, il y a comme pas grand-chose. Ici, y a rien. Ça... S'il y avait quelque chose, ça se peut fort bien aussi que j'y ai déjà été. But, ici, activate the mirrors, please. Et voilà. Yeah, boy. On s'en va par là. Puis on... Bro, on s'en va fucked up, ce tombe-là, man. J'ai besoin du livre. Et voilà, you can now find your way home. Merci. Wait. Est-ce que je peux interagir avec ces tombes-là encore? Ou est-ce qu'il me faut actually la Master Sword for real? Merci pour ton fucking full magic. Que je ne peux pas aller ramasser, bro. Ok, whatever. Really? Really? Me faut-tu actually la real Master Sword ou... let me try some shit, si jamais ça fonctionne pas, ça va être un fucking big waste of time. il faut la Master Sword. Ok, it was a waste of time. Tu sais quoi? On va aller ramasser quelque chose pour Samus d'abord. On va aller au number... Non, tu sais quoi, number 3 actually. Parce que le truc avec les deux lumberjacks qui sont en train de cut down le gros arbre à côté du Lost Wood, le trigger pour que ces deux crétins-là ne soient plus là, c'est justement battre Aghanim. Fait que, à savoir que ces deux crétins-là sont plus là, je peux aller chercher la récompense. Que je sais c'est quoi parce que j'ai déjà fait du scouting, c'est un energy tank. Puis I will not say fucking no to energy tank. C'est toujours bon dans Super Metroid. I'll take it. Et voilà cet arbre-là. On fait ça comme ça. Et voilà. Ah ben. En tout cas, c'est même moins bon. Je suis quasiment sûr sur un Energy Tank, though. Parfait. J'ai-tu vraiment besoin de free? Non. J'ai juste un pot, right? Yeah. Fait que pas besoin de free. No, sorry, no. Energy Tank. Cool.
c'est ça, je dirais pas non à un energy tank si facile que ça. Puis tu sais quoi, pour replenish deux cœurs, y'a pas de Bumbable, nah. Ok. Parfait, on s'en va à Skullwood, on s'en va accomplir le temple, pas mal, parce que je crois qu'il y a une place dans le temple que je ne pouvais pas accéder justement parce que j'avais pas l'épée. Puis une seconde place aussi parce que, ben, pour se rendre au boss, il faut l'épée. Fait que maintenant, je peux enfin aller battre le boss. It's gonna be cool d'essayer. Juste comme finir pour de bon Skullwood. Puis en même temps, c'est vrai, j'ai à Star le Big Key. Fait que je peux aller voir c'est quoi qu'il y a derrière le Big Chest de ce donjon-là, man. Ah, oh, dude! Il y a plein de petits trucs que je peux faire encore à Skullwood. Fait que, be right back! Mais que je me rends au Dark World, ça va être belle fun. Puis qu'on aille dans le Dark School Wood pour la 56e fucking fois dans ce let's play là, man. En tout cas, depuis que j'ai l'épée là, holy shit, man. Je suis content live. Oh my god. Pas avoir eu d'épée pendant 18 épisodes, c'était de la merde. Not gonna lie. Surtout, genre, quand vous êtes dans ma situation, que j'ai pas joué à Link to the Past depuis un fucking bot. Que t'as besoin d'épée pour quelques petites affaires. Eux autres font toujours aussi chier. Ok, là, c'est quoi le meilleur entrance pour se rendre vers le Big Chest? Peut-être par là ou peut-être la bouche. Bon, best bet, ça va être la bouche. Yeah, le Big Chest, il est là. Fait qu'il faut juste que je fasse le tour. Il y a par en haut. Ouais. Là, maintenant, I can do this. Mais je me souviens plus s'il y a une place dans le donjon si, justement, il faut que je fasse ça pour découvrir une porte secrète à quelque part. Hostie que l'épée suck, man. Bon, mon marteau, là, vulture one shot. Fucking dead ass. Alright. Là, il faut que je monte en haut, là, mais, yeah. Même moins bonne, c'est ce trou-là. Yeah, exactly, man. Alright, fait que je suis rendu ici à Star. C'est pas ici, ou peut-être. Je sais pas, non. Ok, parce que. Je sais plus si à quelque part dans le temple, il y a justement une place comme ça que. Ouh, wait a minute. Ou sinon, j'ai juste à. Fuck ton temple! Je peux juste faire le tour comme ça, man. I don't give a fuck! Ok, eux autres me font chier. Une bosky qui m'a découvert une bosky. Big key for the Swamp Palace. Ça, ok. Wait. Swamp Palace, c'est le deuxième dungeon. Le seul truc qui me manquait justement dans ce dungeon-là, je l'ai déjà fini en fait. Le seul truc qui me manquait, c'était justement qu'est-ce qu'il y avait dans le Big Chest de ce donjon-là, parce que je viens juste de découvrir la clé. Ok. Alright. Intéressant. Ok, intéressant. Puis, bro, what the fuck? C'est quoi cette quest de Big Chest-là, man? Ok, là, il faut que j'aille trouver la big-ass fourmi, ou whatever that is, que j'y crisse mon fire rod dans sa face. Pis, ben en fait, c'est déjà fait. Il faut juste que je la retrouve. Je pense qu'elle est par là, man. Le Skullwood me mélange tout le temps à chaque. Non, c'est pas par là. Oh my god, ok. C'est à quelque part ici dedans. Cherchez-les, mon gros tabarnak. Ok, je vais rentrer dans cette bouche-là que je dois aller à gauche. Si jamais il y a des cœurs là-dedans, tant mieux. Of course not. Fucking course not. Encore par la gauche. Pis là, je suis rendu enfin à la place. Ah, bro, je me cherchais pendant 2 secondes. Skullwood me fuck. Surtout quand t'as pas toutes les clés. Là. Il faut quasiment que tu fasses le tour tout le temps. Il faut que tu prennes le chemin long, le gros Christy de détour. Alright, parfait. Vous autres, donnez-moi des cœurs, man. Oh, si boy, donnez-moi des cœurs. Ok. Se place là maintenant. Let's go, ça va battre le boss, c'était. For real. L'autre fois c'était it was only a prank. Now it's for the real. Alright. Parfait. Puis si vous avez des cœurs pour moi, je ne dirai pas non. Oh, parfait, man.
Parce que le boss est quand même chiant. Est-ce que je... Fuck off, mate. Bro. Bro. Tout va mal. Tabarnak, man. Si fuck ce Chris... Bro. Asti que je déteste Callis de Room là. My god. Tu sais quoi? Fuck le site d'épée. Man! Ok, fine, j'ai découvert une épée. Ok, good. Fine. L'épée à plus push. Whatever. J'ai dit comme quoi que je m'en calissais. Ah, ça suck! Ça fucking sucks! Est-ce que ça prend 12 millions de coups avant que je sois un ennemi, man? Oh, dude. C'est certainement pas comme ça, en tout cas, que je vais battre le site boss. Ok. Commence à capoter, là, mon Gab. Yeah, boy, yes. Oh, fucking mort, esti. Yeah. Ok, parfait comme ça, puis comme ça, et voilà, on rentre dans la place. Puis enfin, maintenant, je peux aller au nord! Oh, dude! Tout le monde fait chier. Tout le monde fait chier. Alright, je suis écœuré. Je suis écœuré, je m'en calisse. Brûlez tout, gang de PD! Je vous retrouve en enfer! Hey! Ça, donnez-moi les cœurs aussi! Si boire, man! Tu sais quoi, je vais sortir le marteau parce que je sais que mon item va soquer à marde. Ok, là, il me faut une clé ici, man. Il y a des ennemis PD ici. Et voilà. Fuck you. Pis la momie, man. Tu vas fucking brûler! Ma coalice! Hein? Donne-moi la clé! Thanks! Ok, maintenant, quel item va être bon pour ce boss-là? Le marteau, probablement. Je sais pas. Un peu de magie. J'ai pas l'arc. Fait que, et voilà. Bienvenue, fucking boss. Je m'en souviens plus comment tu t'appelles, mon pite, mais... et voilà. Mon épée suck la marde. Oh, bro, ça va prendre beaucoup de coups, man. Ok. Mais t'as toujours été bon dans Bullet Hell, Gab. Dis-toi ça, au moins. Parfait. Laisse plancher qui arrête pas de bouger, là. Oh, fuck. Puis il te reste une feuille. Si jamais tu meurs, t'as une feuille de bullshit. Oh, dude! The fuck was that? Ok. Est-ce que je le rush ou est-ce que j'utilise les items? Bro, j'ai même pas réussi, man. Ça va me donner 7 coeurs, hein? Yeah. Ok. Ça lui fait mal. Parfait, je m'en calisse. Parfait. Et voilà! Je savais pas quel item lui faisait mal. Premier. Ok, thanks. M'en calisse, ça. Donne-moi ça, man! Je suis carré dans le fucking yole! Chris! Alright. Now that this shit is done. Yes. Premièrement, quel est ce cristal? Please tell me. Alright, c'est celle-là. Juste pour toi, Gabriel du futur. Celui qui va éditer cet épisode-là. On retourne dans le fucking bullshit ass. Et voilà. En fait, la Master Sword est juste là, man. Je peux-tu faire quelque chose avec la Master Sword? Il faut les trois pendants. Le livre, c'est quoi qu'il dit? A really big flying bomb. Alright, thanks. Take that shit up, man! Take that shit up! I can't. Ok. Quand on s'en va au Swamp Palace, je ne peux pas activer l'oiseau à partir d'ici. Ok. Un peu weird, mais ok. Take me home! Et voilà. Là, on s'en va au number 7. Ok. Puis, on s'en va dans Dark World. Puis, on s'en va voir c'est quoi qui est le fucking gros chest. Puis, c'est la seule affaire qui reste de ce donjon-là anyway. Fait que je sais pas pourquoi je fais le tour. J'ai les palmes. Fuck sake. Aïe! Pull that shit for the last time. The very, very last time. Puis,
Now what the fuck do we have in the big chest? C'est ça, ça a été genre une quest. La quest des big chests. J'ai découvert la clé du Thief's Town. Je suis comme, alright, on va aller découvrir c'est quoi qui est dans le big chest. Le big chest qui nous donne une clé d'un autre big chest. Est-ce que cet autre big chest là auquel que je vais avoir, auquel que je m'en vais live right now, va avoir un autre clé de big chest? Maybe, actually, il m'en manque une couple, man. Il m'en manque 3. Donc, ça serait kind of whack. Mais, par contre, si c'est de la jankass, de la fucking merde, genre des missiles pour Samus, well, ça va, je vais juste avoir perdre le temps de tout le monde, mon temps, votre temps, assumer le temps de littéralement tout le monde. Last chest de ce Christ donjon-là. It's fucking good. Ok. Ok, dude. Alright. Est-ce que je fais ça tout de suite ou je m'en vais à Misery Mayer? Parce que techniquement, je peux accéder à Misery Mayer. Wait, attends. Je peux-tu accéder à Misery Mayer? Il me faut un des 3 médaillons. Il y en a un que j'ai pas. S'il me faut Eater, je peux pas accéder à Misery Mayer. Je me souviens plus lequel qu'il me faut par contre. Je pense que c'était Quake. De mémoire. Mais en tout cas, on peut aller battre le boss de Crateria, qui est super facile, puis je pense que c'est ça qu'on va faire live right now, actually. Yeah, man, c'est ça le plan. Ouais, that's it, man. Je suis sické à cette heure à aller battre le boss de Crateria dans Super Metroid, qui est une qui va être une callus de joke à ce point-ci, là. Je suis legit, man. Mais moi dans le light world, pour pas me faire chier, là. Et voilà. Alright, la quest des big chests m'amène vers ici. Fait que maintenant, je peux aller où c'est qu'il y a les B. Je veux dire, je peux aller battre ce boss-là. Je peux aller par là, techniquement, mais l'affaire, c'est que ça sert à rien quand il reste des boss. Je veux dire, il reste Ridley. Pis c'est tout. Wait. Ouais, attends, j'ai battu le dude de Maridia. Il serait juste Ridley, ça veut dire. Hey, man. Yeah, il reste juste Ridley, puis après ça, quoi, that's it, après ça, on peut finir avec Super Metroid? What the fuck, man, ok. En tout cas, on va aller battre le boss, là, juste pour le lol. Il est à côté, anyway, of course, yes. Peux-tu ben, bro, ok. Maintenant, le boss va me donner quoi, exactement? Tu sais, ça, c'est le genre de truc que c'est comme... C'est comme genre une side quest ou une fetch quest rendu là, tu sais, c'est comme genre tu découvres des affaires qui t'amènent à d'autres affaires, qui t'amènent à une autre affaire, qui t'amènent à une autre affaire, maintenant ça m'amène ici. What the fuck? Qu'est-ce qui va être en arrière de ça, man? Un boss facile, for sure. Qu'est-ce qu'il va me donner par contre? La quest des power bombs. Well, c'était vraiment... anticlimatique. Ah, maintenant, meurs, esti. Ah, non. Ah, meurs. Et voilà. Et voilà, il est mort. Et voilà, t'es mort. Ah, c'est genre le premier boss de Super Metroid. Fait que, t'sais, t'as pas de missile. Je pense que c'est lui qui te fait découvrir les missiles de base. I think. Pas sûr. La quest des power bombs. C'était très anticlimatique. Quoique, avoir fait ça maintenant, ça sert pas à grand chose. Maintenant, je veux dire, je peux accéder au B, mais comme je vous dis, aller par là sert pas à grand chose. Actuellement, on va aller voir au cas où si jamais je me trompe, si jamais il y a une thème que je ne me souviens plus. T'sais quoi? Yeah, on va aller faire ça. Eh ouais, maintenant, qu'est-ce que je peux aller par là? Whoopie freaking do! Bienvenue à la dernière zone du jeu, guys. Techniquement, début de game dans Super Metroid, vous pouvez aller là, mais... yeah. J'ai battu Kraid. Et voilà, il est dead. J'ai battu... Platoon. Ouais, I think that's his name. Toi. Que je sais plus c'est quoi ton nom. Techniquement, il reste juste Ridley. L'affaire, c'est que je pourrais techniquement aller battre Ridley.
Ça va être chiant, don't get me wrong, ça va être extrêmement chiant aller à Lower Norfair, surtout avec la vie que j'ai, c'est la zone la plus dure du jeu, mais what the fuck? Après ça, j'ai fini avec Super Metroid. Pas mal! Ok, qu'est-ce qu'on va aller faire, dernière affaire que je vais faire pour cet épisode là? Je vais aller à... Justement, on va aller à Norfair, mais pas pour aller battre Ridley. Ou peut-être, parce que là j'ai deux options. C'est soit que je m'en vais vers Ridley, puis c'est bien drôle, ok. Tu sais quoi, ça me donne le goût d'aller battre Ridley à prochain épisode. Ou sinon, justement, parce que il faut que tu passes par Norfair pour aller à Misery Mire dans Link to the Past. Ça c'est overkill, I don't give a fuck. Ouais, ok, je pense que c'est ça qu'on va aller faire. Au prochain épisode, je vais décider qu'est-ce que je veux faire. Je peux aller battre Ridley avec qu'est-ce que j'ai. Avec mon nombre de vie, par contre, ça va être un peu stiff. Mais, whatever. Fait que... Alright, je me téléporte. Et voilà, ça va à Dead Mountain. On s'en va à Norfair à partir de Dead Mountain. Comme ça, ça va être un fucking raccourci. Parfait. Puis, guys, au prochain épisode, ça, je pense que je vais faire ça hors caméra, là, parce que ça risque d'être un peu long. Prochain épisode, je m'en vais à Lower Norfair. Je m'en vais tout en bas, là, où c'est que... Peut-être aller voir Ridley, là, où c'est qu'il est marqué le B, maybe. Ou ben... Ouais, je pense qu'on va aller battre Ridley au prochain épisode. C'est ça qu'on va faire. Si jamais il y a rien d'intéressant, on va revenir en arrière. Puis on va aller à Misery Mire. C'est ça le plan. Guys, bonne journée. À la prochaine.